Tony Arbolino, il va terminer dans quelques instants ce tour, ce dernier tour. Il est dans le dernier secteur de ce circuit des Amériques pour sa première victoire. Regardez également sur la gauche de votre écran, donc du côté du box d'Ayogura. Lui aussi, il fait une super opération au championnat. Ce sera important pour lui. Et voilà la victoire dans quelques instants pour Tony Arbolino. C'est fait, la victoire de Tony Arbolino, la première victoire du pilote italien. Évidemment, la joie de son équipe alors que Cameron Bobier, malheureusement, lui est tombé alors qu'il était bien placé aussi, Cameron Bobier, le pilote américain. Terrible dernier secteur pour Cameron Bobier. Le deuxième, c'est donc Ayogura qui termine derrière Arbolino. Jack Dixon est en troisième position. Et donc le quatrième, c'est Marcel Schroeter puisque Cameron Bobier est tombé. C'est terrible pour lui, mais en tout cas la joie de Tony Arbolino, évidemment, pour enfin sa première victoire. Ah, quel dommage pour Bobier. Après certainement une bagarre avec Marcel Schroeter, on va revoir l'image, hein, mais j'ai l'impression qu'il est tombé tout seul. Ah, l'avant qui croise dans le triple droit. Mais voilà, quelle victoire de Tony Arbolino aujourd'hui. Il va être extrêmement content, ça va lui donner beaucoup de confiance aussi pour l'avenir. On est content pour Mark van der Straten aussi, qui a recruté ce jeune pilote qui avait fait une saison un petit peu compliquée l'année dernière dans cette équipe allemande. Et là, il trouve vraiment un environnement très agréable pour un pilote très professionnel avec beaucoup d'expérience. Et après seulement 4 courses, il arrive à s'imposer. Félicitations à eux.